Syndicats et Gilets jaunes se sont d'abord retrouvés à partir de 11h, place de la République, avec toutes les apparences d'une synergie nouvelle et de la fameuse convergence des luttes tant souhaitée par les syndicats. On lutte pour la même cause, donc oui, on y retrouve notre intérêt, donc oui. Après, je veux dire, les syndicats jusqu'à présent, bon, ils n'étaient pas là, ils arrivent. Les deux, pourquoi? Pour une bonne, simple et bonne raison, c'est que les revendications, finalement, c'est les mêmes. On souffre tous. Mais on estime que nous avons des revendications communes en matière d'augmentation générale des salaires, des pensions, en matière de défense de la protection sociale, en matière de défense des services publics. Il faut être nombreux, voilà. Je pense qu'il faut être nombreux, il ne faut pas les mettre de côté. Bon, je pense qu'ils ont eu du mal à rentrer aussi dans les Gilets jaunes. Effectivement, les syndicats qui ont pris un peu de retard. Je pense qu'effectivement, là maintenant, le temps est venu. La convergence avec les Gilets jaunes est là pour essayer d'apporter en plus aux Gilets jaunes le mouvement des salariés. Et les gens, on n'est pas trop habitués à manifester, si vous voulez. Tandis que là, on se retrouve avec des gens qui savent, faire. Quoi. Pourtant, les Gilets jaunes se sont positionnés en tête de cortège, histoire de se démarquer des syndicats. Ils sont bientôt rejoints par les très bruyants étudiants qui ont bloqué le matin même la fac de Montaigne. Le long cortège s'ébranle vers midi. Les Gilets jaunes en tête donc, suivis des étudiants. Derrière les syndicats, des retraités, des fonctionnaires, des salariés du privé et des enseignants. L'ambiance plutôt bon enfant ressemble au traditionnel défilé cégétiste. Mais arrivé à l'entrée du cours de l'intendance, moment de tension, d'abord entre les manifestants et quatre hommes, a priori des policiers en civil. Mais aussi entre manifestants et gilets jaunes. On est pacifique. Et bien alors tu t'en vas ailleurs. Tu vas casser ailleurs. Tu vas casser ailleurs. Tu casses le mouvement. Tu casses le mouvement. Finalement, la manifestation reprend son cours jusqu'à la place de la Comédie. Là, les gilets jaunes quittent le cortège. Alors que celui des syndicats poursuit le parcours prévu jusqu'à la place de la Bourse, les gilets jaunes s'engouffrent dans la rue Sainte-Catherine, devant des passants médusés. Quelques poubelles brûlent. Certains commerçants tirent le rideau. Les gilets jaunes se dirigent alors vers leur destination habituelle, la place Péberlan. Les quelques gendarmes présents se positionnent pour protéger l'entrée de la mairie. Les gilets jaunes s'approchent, mais il n'y aura pas d'affrontement. On n'a même pas été gazé, s'étonne un manifestant. Les gilets jaunes repartent dans le calme, direction les quais, laissant au passage quelques tags anti-CGT. La convergence, ce n'est pas pour eux.